Bonjour, aujourd'hui je vous amène dans l'ancien royaume de la reine de Saba. Le royaume de la reine de Saba, le Yémen. Nous sommes en 1974. À ce moment-là, il y a deux Yémen, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, et ces deux États se font la guerre. Le Yémen du Sud est sous l'emprise soviétique et le Yémen du Nord est un pays libre. Nous sommes trois à partir. Trois copains à partir pour ce pays lointain de l'Arabie dite heureuse. Le Yémen, pour nous, c'était loin de tout. Pas d'avion pour y parvenir. Alors donc, nous décidons d'arriver à Djibouti et de traverser le détroit pour arriver au Yémen. À Djibouti, nous avons loué des motos et nous allons parcourir tout le Yémen en moto. Nous avons comme priorité d'abord de sillonner tout le Nord Yémen, de suivre la route du Nord qui mène à l'Arabie Saoudite. Nous couchons chez l'habitant. Les Yéménites sont des guerriers, mais ça ne les empêche vraiment pas d'être accueillants. Alors évidemment, sur cette route, le trafic routier est dense. Des produits partent pour l'Arabie Saoudite. Sur ces routes, deux camions ne peuvent pas se croiser. Elles sont hyper dangereuses. Ou ils peuvent se croiser, mais tous les kilomètres où il y a la roche qui est creusée pour laisser passer des camions. Les routiers foncent comme des fous sur cette route. Et en plus, ils sont complètement bourrés. Complètement bourrés de quoi? De cap, une herbe hallucinogène qui, dans la région, se mange toute la journée. Alors, lors de nos arrêts, nous ne voyons absolument pas de femmes. Ça nous étonne vraiment, d'autant plus que, en fait, toutes les maisons ont deux appartements. Et les hommes vaquent à leurs occupations. Ils se font servir par des femmes, mais à distance. C'est-à-dire que les femmes s'occupent du ménage quand les hommes ne sont pas là. Elles font la cuisine. Et ce sont les enfants qui servent. Incroyable. Bon, je reviendrai vers vous pour d'autres reportages que nous avons faits au Yémen, mais sur la guerre. Nous y avons été également emprisonnés au Sud-Yémen. Je vous raconterai tout ça. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce. Au revoir.